partant, j'ai ouvert toutes les pièces et j'ai lancé le robot et la maison elle est nickel. C'est ça que j'aime avec les robots. Tu vas à la salle de sport, tu lances ton robot tranquille, tu reviens, ta maison elle est propre. C'est pas trop bien. On est d'accord, c'est génial, j'aime trop. Pour ça j'aime trop les robots, franchement ça m'aide tellement. Moi qui ai mal au dos et tout pour faire le sol, ça me soulage dans mes tâches ménagères. Anyway, je viens de rentrer de la salle de sport, comme vous avez vu tout à l'heure, laissez tomber. Le problème c'est que quand tu vas pas à la salle de sport pendant, je crois que ça fait 2 semaines que je suis pas allée vraiment, quand tu reprends c'est horrible parce que t'as mal partout. Et la reprise est difficile, donc voilà, ça se sentait dans mes mouvements. Là, je vais avoir des courbatures pendant au moins 6 jours. Non, je rigole, mais voilà, je suis KO. Bref, venez les amis, on commence notre journée parce que j'ai pas mal à faire et il faut que je me dépêche. Let's go. Je vais déjà prendre ma douche et je vous retrouve après. Avant de commencer la vidéo les amis, je vais vous présenter une perruque qui vient de chez Love Me Hair. Comme vous pouvez voir, voici comment arrive le packaging, il est juste trop mignon, j'aime trop la boîte. C'est tellement bien fait, c'est tellement joli, j'aime trop, en plus c'est la couleur violette, franchement je kiffe. Ensuite, vous pouvez voir la perruque, c'est une perruque fluffy afro curly wig avec natural fringe, donc avec une frange naturelle dessus. Pour l'instant, vous pouvez vous dire que ça ressemble un peu à rien, etc. Mais attendez, dans le prochain clip, vous allez voir comment est-ce que je fais pour la slay. Ce que j'aime vraiment sur cette perruque, c'est que tu n'as pas besoin de mettre de la colle ou quoi que ce soit. Tu la poses juste sur ta tête et c'est fait et c'est juste perfect. Et c'est une taille 12, donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je l'installe. Ok, donc comme je vous disais, vous inquiétez pas, vous allez voir comment est-ce que je fais pour style cette perruque. Elle est comme ça, vous vous dites, oh elle est chelou et tout. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin, c'est un spray avec de l'eau dessus et vous allez avoir un résultat super naturel. Jusqu'à présent, vous êtes toujours inquiet, vous vous dites toujours, mais qu'est-ce qui se passe Zalia, tu ressembles à R. Ne vous inquiétez pas, I got it, don't worry about it. En gros, ce qu'on va d'abord commencer à faire, c'est passer les doigts dedans en fait pour sortir toutes les curls, pouvoir voir vraiment à quoi est-ce que ressemble la perruque. On va devoir passer du spray dessus, donc tout ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose avec de l'eau. Si vous n'avez pas ça, vous prenez juste de l'eau, ça marche aussi. Et vous mettez le spray comme ça partout sur la perruque pour qu'en fait, ça va pouvoir redéfinir les boucles et vous les sortir pour que ça ressemble au modèle voulu, quoi, tu vois. Vous voyez que j'ai bien passé de l'eau dessus et j'ai bien peigné pour pouvoir avoir ce rendu. Vous voyez bien que ça n'a pas du tout la même chose qu'au début. Au début, c'était là en mode, c'était juste posé. Mais vous voyez, en fait, il faut vraiment de l'eau et encore plus, encore mieux même, il vous faut de la mousse. Si vous avez de la mousse, n'importe quelle mousse qu'on met sur les perruques, vous le prenez et vous rajoutez dessus. Comme ça, ça vous donnera un petit look un peu shiny et tout. Ce sera juste trop beau. Moi, j'en ai plus malheureusement, donc je peux pas en mettre. Mais voilà. Et aussi, je vais vous montrer à quel point les boucles sont trop beaux dessus. Regardez, ces boucles sont vraiment magnifiques. Vous avez vu comment ça ressort et comment est-ce que ça rebondit. C'est juste trop beau. En fait, c'est un afro, mais avec une petite frange. En fait, généralement, vous connaissez les afros, c'est juste comme ça. Mais là, ça vous laisse une petite frange qui est vraiment genre trop mignonne. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime vraiment dessus, en fait, c'est juste le naturel. C'est juste trop beau. On peut vraiment... Là, je peux partir dans la rue, quelqu'un qui ne me connaît pas, il peut croire que c'est mes cheveux, en fait, que c'est mon afro. En fait, c'est pas mon afro. That's a wig, girl. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment effet naturel, effet afro naturel. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez bien. Bien évidemment, si vous voulez procurer cette perruque, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans la barre de description. Il y aura le lien de cette perruque exactement, le lien du site de Love Me Hair. Et aussi, il y aura des codes promo s'ils en ont en ce moment. Et vous pouvez avoir exactement la même chose que moi. Moi, perso, j'aime trop. Vraiment, effet naturel, tu vois. Ça change trop des perruques que tu vois que c'est une perruque. Là, ça fait effet look naturel, effet afro. I love it! Donc, je voulais juste venir voir à la lumière du jour comment est-ce que c'était. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup, je confirme. C'est juste trop beau, ça fait vraiment un look super naturel. De toute façon, comme je vous ai dit, toutes les informations seront dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller check si vous êtes intéressé. Mais voilà pour mon look naturel spécial afro girl. En plus, c'est stylé. Ouf! J'aime trop. Bon, je vous laisse continuer avec la vidéo, les amis. Malilou,
Good morning, mama. Good morning, princess. How cute you are with your little dress. Yes. Petites lunettes de Malilou qui sont pliables, tordables pour les enfants. Hello everybody, coucou tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier j'espère que j'ai fait une intro, je me rappelle pas du tout. Bref, si j'ai pas fait d'intro, salut. Mais hier je sais que c'était une journée assez courte parce que le lundi, comme je vous ai dit, j'édite la vidéo du weekly vlog précédent pour tous ceux qui savent pas. Mais anyway, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien and welcome back to my channel. Salut tout le monde, moi c'est Dalia, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, n'hésitez pas à me follow, liker cette vidéo. Et surtout, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, what do we do? What are you waiting for? J'ai mal aux jambes, doucement. J'ai trop mal au corps, j'ai mal partout, j'ai des courbatures. Vous savez que ça fait 2 semaines, je crois, que j'ai pas fait de sport. Donc du coup, vu que j'étais en vacances, etc., et mon corps, il assume pas. Mon corps, il assume pas du tout la reprise. J'ai des courbatures comme ça. J'ai mal aux jambes. Vous avez vu les exercices que j'ai fait hier. Laissez tomber. Anyway, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Et ouais, je suis rentrée de la salle de sport. Je me suis lavée, je me suis habillée, je me suis changée. Look at the body. Bon, là, c'est parce que j'ai pas encore mangé. Du coup, le ventre, ça passe. Mais tu connais, dès que tu manges, mon ventre, il passe de ça, quand j'ai pas mangé, à ça, après manger. Donc j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui me fout le seum. J'espère que vous allez bien, une nouvelle semaine où je me sens mieux, largement mieux. Bon, je me shoote au café littéralement parce que sinon je m'en sors pas. Sinon c'est pas possible, j'arrive pas à tenir la journée. Donc je me shoote au café et tout va bien. Donc hier j'ai fait des partenariats que je devais éditer aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Non, que je devais auditer aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Mais ces temps-ci, c'est juste des partenariats que j'ai à faire en soi, à filmer, à éditer et envoyer pour validation. C'est ce que j'ai fait déjà hier. Donc j'ai édité mes partenariats, surtout j'ai édité la weekly vlog qui va sortir aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai reçu mon colis Amazon parce que j'avais commandé pas mal de petites choses dessus. Et, ah oui, j'ai reçu le colis de Kopchi. J'ai encore un autre partenariat avec Kopchi. Je vous avais dit que mon partenariat avait été renouvelé avec eux et que j'en avais plusieurs à venir. Donc je suis trop contente. Et surtout, pourquoi est-ce que je suis contente? C'est que je vais refaire une vidéo du coup en maillot de bain pour le partenariat de Kopchi. Mais surtout parce que vous en rappelez l'ancienne vidéo, celle-ci, j'avais fait, j'étais pas du tout en shape. Genre, j'étais vraiment grosse. Enfin, bref, en tout cas, moi personnellement, je trouvais que j'étais pas du tout en shape. Même s'il y a plein de gens qui étaient là, oh, j'aime trop ton corps et tout. Je suis là, oh, merci, mais moi pas. Et donc là, maintenant que j'ai repris du sport et tout, I like my body better. J'aime vraiment mieux mon corps, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir comparer après édition. Je vais pouvoir comparer du coup les vidéos que j'ai fait au début avant et ce que je vais faire maintenant. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Anyway, donc c'est ça. Ah oui, aussi je voulais vous parler d'un truc. Je vais vous mettre la story ici pendant que je suis en train de parler. Sur Instagram, j'ai demandé à... comme ça, parce que du coup hier on était en train de scroller les chaînes avec mon mari. On regardait vite fait. On est tombé sur mariage à... au premier regard. Et du coup, il y avait un mec et tout qui était qui disait qu'il avait du mal à trouver des relations, à se mettre en couple, à être pris au sérieux parce qu'il avait 3 enfants de 2 précédentes unions. Donc moi sur mon Instagram, petite chippie que je suis, je me suis dit tiens, ça peut faire un bon sujet de débat. Donc j'ai lancé un petit débat sur Instagram. Vous le voyez là de toute façon dans mes stories que je suis en train de vous montrer. Et
C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, moi, Instagram, ça fait juste ici. Donc, j'ai lancé un petit débat. Je posais la question aux gens pour savoir, en fait, si, genre, est-ce que toi, tu pourrais sortir... Je vous pose la question à vous aussi maintenant, donc je veux que vous me répondez dans les commentaires. Est-ce que toi, tu pourrais sortir avec quelqu'un qui a déjà un enfant, un ou plusieurs enfants, ou si tu pourrais pas du tout que ce soit homme ou femme, hein, parce que ça va dans les deux sens. Bah, quand il y a un enfant, il y a forcément homme et femme, donc ça va dans les deux sens. Est-ce que toi, un homme, tu pourrais sortir avec une femme qui a déjà un enfant? Et est-ce qu'une toi, une femme, tu pourrais sortir avec un homme qui a déjà un enfant, oui ou non? Et est-ce que tu pourrais sortir avec un homme qui a déjà un enfant d'une seule baby mama, ou est-ce que tu pourrais sortir avec un homme qui a déjà 3 enfants de 2 baby mamas différentes, et vice versa pour les hommes aussi? Donc vraiment, c'est vraiment un débat qui m'intéressait, parce que j'étais là en mode, mais vas-y, ça se fait pas, eux aussi ils ont le droit au bonheur et tout. J'étais en train de débattre avec mon mari hier et tout, j'étais là, mais de toute façon, je sais même pas si vous en rendez compte, mais d'ici... En tout cas, nos enfants qu'on a là maintenant, cette génération-ci, donc les Malia là, les 2000, enfin 2000 et plus même, parce que c'est pas les mêmes générations, les 2020 en montant, sachez que malheureusement, vu comment les parents se séparent de plus en plus de nos jours, en tout cas vu comment il y a beaucoup plus de familles recomposées et que les gens se séparent de plus en plus, sachez que quand Malia, elle aura notre âge, donc 25 ans, il est fort possible que les autres enfants de cette génération, eh ben, ils soient issus de familles recomposées, etc., etc. Parce qu'à force de se séparer, bah ça fait qu'on va devoir tous se mettre en couple avec des gens qui ont déjà un enfant ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est ce que j'essayais donc d'expliquer hier avec mon mari. On discutait, il me disait non, etc. Bref, whatever. Donc je voulais avoir votre avis à vous et du coup j'en ai parlé sur mon Instagram, vous m'avez répondu. Il y a des gens qui ont donné pas mal de points, qui étaient là en train d'expliquer que oui, moi je pourrais, mais je pourrais pas d'un autre côté parce que tu connais, les baby mamas, elles sont chelous, ou les mecs et tout, ils sont là, ils disent que c'est fini avec leurs ex, mais en fait ils sont toujours en train de faire des trucs en soum-soum. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà vécu un truc similaire ou quoi que ce soit. Bref, racontez-moi votre histoire en gros. Mais ouais, moi je me dis, franchement, moi je trouve que chacun a le droit de refaire sa vie. C'est pas parce que t'as déjà eu des enfants que t'as pas le droit. Là où je trouve que voilà, il faut doser, c'est dans le sens où il faut que chacun sache où est sa place. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que chacun sache où est sa place. Tant qu'après avec ta baby mama, c'est tranquille, vous êtes carré, vous vous parlez et vous voyez vraiment que par rapport à l'enfant, why not? Tout le monde a le droit de refaire sa vie. Mais après, tu connais quand c'est des trucs en mode chelou, elle se permet d'arriver chez ton mec à toute heure de la nuit, du jour, la baby mama sous prétexte de l'enfant. Enfin, en fait, il faut que ce soit carré. Si vous arrivez à faire le co-parenting correctement, en soi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bref, je voulais juste avoir votre avis, donc dites-moi dans les commentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller éditer les médias que j'ai à éditer. Et c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et ensuite, je vais manger parce que j'ai bientôt faim. Je sens que mon ventre, là, j'aurai bientôt faim. Et ouais, let's go. Aïe 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 aïe, ces courbatures, ils sont réels en fait. C'est pas des blagues. The heck? Je viens de finir de faire tous mes médias. Je suis vraiment contente. J'en avais genre 5 à faire et je les ai tous faits. Les partenariats, je les ai tous édités, je les ai tous envoyés pour validation. Je suis vraiment contente. J'ai fait tout ça en 2 jours. Comme ça, au moins, c'est fait. Je préfère les faire en début de semaine. Comme ça, je me débarrasse. Là, j'en ai un autre que j'ai reçu, Copchi. Et je dois filmer, mais je le filmerai vendredi. Donc voilà, là je suis en train de mettre mes chaussures parce qu'il est déjà l'heure d'aller chercher ma Lilou. Vous voyez comment le temps passe vite, c'est incroyable. Ce qui prend le plus de temps vraiment, c'est monter les vidéos maintenant. Ça prend pas mal de temps et t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et je sais pas si je peux déléguer. Je sais vraiment pas si, même si c'était gratuit, est-ce que j'arriverai à déléguer l'édition de mes vidéos. Parce que j'aime tellement éditer de base, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Mais en plus de ça... Bah, je sais pas, je trouve que je sais ce que je veux couper, ce que je veux garder, mais je sais que tout ça t'explique à la personne qui monte. Je sais, mais je sais pas. Faudrait que je teste un jour. Mais ça me ferait gagner grave du temps, vous savez pas. J'aurais grave, grave, grave plus de temps. Pour moi, pour créer du contenu, j'aurais... Mes vidéos sortiront à l'heure. Il y aurait pas de problème de retard. Donc, ouais, je vais chercher Malia et on se retrouve quand je reviens. J'ai la petite vaisselle du jour que j'ai pas faite depuis ce matin. Je voulais la faire, mais j'aurais pas le temps. Je profite pour aller chercher ma Lilou maintenant, comme ça je le fais. Je suis assez en avance, mais je préfère la récupérer un peu plus tôt. Mon petit Flo. J'ai mon pyjama en dessous. Enfin, pas mon pyjama, mais pour rester à la maison, quoi. Yo les amis, on vient de rentrer, on a dû s'arrêter pour aller à la pharmacie parce que... attendez. Fermeture de la porte.
comme vous voyez, on a dû s'arrêter pour aller à la pharmacie chez les courses. Parce que du coup, la nounou de Malia me disait qu'il fallait pas que j'utilise le Bepanthène comme crème de change tout le temps, tu vois. C'est vraiment que quand l'enfant a les fesses irritées, il fallait que je prenne du liminant. Donc je suis allée en acheter. Et le coton. Et j'ai demandé à la pharmacie aussi, ils m'ont dit oui, c'est vrai, faut pas utiliser du Bepanthène tout le temps, que c'est vraiment que quand il y a des irritations. Et moi, c'est ce que j'utilise depuis, quoi. Enfin, je savais pas. Dites-moi si vous savez, si vous êtes au courant d'ailleurs. Parce que moi, ça m'étonne quand même qu'il faut rien mettre sur les fesses de l'enfant, à part la changer avec du liminant. Bref, on en reparle. Donc, j'ai pris à la pharmacie des cotons, parce que la nounou me dit qu'elle va commencer à utiliser du coton à Malia, au lieu d'utiliser les lingettes. Les lingettes à l'eau que nous, on l'utilisait à Malia. En soi, écoute, elle a raison. Moi, j'aime pas utiliser le coton. Toutes les mamans qui utilisent le coton, bah, j'aimerais bien aussi utiliser du coton et de l'eau, mais je trouve que j'ai du mal avec le coton et l'eau. Je trouve que ça nettoie pas. Pas que ça nettoie pas bien, mais c'est petit, tu vois. Après, on va me dire d'acheter des cotons un peu plus grands, mais même jusqu'à là, en fait, j'aime pas. Il faut toujours avoir un point d'eau à côté de toi et tout, flemme. Donc, moi, j'utilise les lingettes Water Wipes, si vous savez pas ce que c'est. C'est des lingettes à l'eau, 100% à l'eau. Donc, c'est trop. Enfin, 99% à l'eau. Il laisse toujours 99,99% à l'eau. Il laisse toujours 1% au cas où s'il y a quoi que ce soit, tu connais. Bref, c'est ce que j'utilise et pour l'instant, ça se passe très bien. Et je préfère largement avoir des lingettes déjà toutes prêtes et tout, au lieu d'avoir tout le temps de l'eau avec moi. Anyway, ça c'est une parenthèse. Comme je vous disais dans l'ascenseur, la nounou m'a parlé du liminant et elle m'a dit que c'est ça qu'il fallait utiliser et pas tout le temps utiliser du Bepanthène pour Malia, etc. Bref, ok. J'ai demandé à la pharmacie, il s'avère que c'est vrai. J'ai bientôt rendez-vous chez le pédiatre de Malia pour son 11e mois. Donc, je poserai la question aussi. Et c'est vrai aussi, je demande à ma voisine, elle m'a dit oui, elle aussi, c'est vrai, elle n'utilise pas tout le temps de la crème de change et tout, que c'est que quand l'enfant est irrité qu'il faut mettre du change. Mais apparemment, il faut mettre du liniment tout le temps. Bon, en fait, tu nettoies, t'es censé nettoyer ça, t'es censé utiliser ça avec le coton. Et c'est ça que tu nettoies. Et en gros, c'est avec ça que tu nettoies. Et c'est ça qui fait que ça garde les fesses de l'enfant doux. En fait, ça apaise. Il fait quoi ? Permet de nettoyer les fesses de bébé tout en les protégeant des agressions liées à l'humidité et au frottement des couches. Voilà. Donc, ça sert aussi comme hydratant. Appliqué à chaque change à l'aide du coton, ne nécessite pas de rinçage, sécher soigneusement. Il faut secouer avant d'utiliser. Bref, j'ai pris ça. Apparemment, c'est une nouvelle marque et c'est 100% bio. Et il n'y a pas de... En fait, c'est 100% naturel. Voilà, c'est des trucs naturels qu'ils disent qu'il y a dedans. Je vais essayer. Et de toute façon, ils coûtent tous le même prix à peu près. J'ai pris une petite trousse de change parce que je lui demandais ça, mais en petit, pour quand on voyage avec Malia. Et elle n'en avait pas. Donc, du coup, j'ai pris ça, la petite trousse de change. C'était à 10 €. L'inject, il y a dedans, il y a l'inject à l'huile d'olive, carré de coton bio et du liniment. Mais celui-ci, c'est de Giffrey. Ouh là là, j'ai très mal dit le nom. Donc voilà, et apparemment c'est 100% naturel aussi, c'est bio, etc. etc. Bla, bla, bla. Donc ça je vais le garder, parce que du coup quand on va voyager, ce serait bien d'avoir une petite trousse de Malia. Et j'ai pris aussi de la crème solaire en tout petit, donc celle-ci. Voilà. Donc c'est de la crème solaire pour Malia, mais c'est pour les voyages parce que je l'ai déjà en grand. C'est une crème solaire que j'ai testée sur Malia et c'est très bien et j'aime trop parce que ça ne laisse pas de traces blanches. Tu peux arrêter de pleurer, 2 secondes, maman est finie. Non, tu ne l'auras pas. Non, 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 non. Play with that one. Look over there. Here, play with this one. Go play with that one. Malia, quand elle a vu quelque chose et que c'est ça qu'elle veut, maman ne lui donne pas. Tu vas voir. Mais je ne lui donne pas, c'est pas elle qui décide. Bref, donc je disais que cette crème solaire est très bien pour les enfants, c'est pas du tout sponsorisé. Je sais pas ce que vous utilisez vous, mais en tout cas moi pour la peau de ma fille c'est très bien. Et surtout ça ne laisse pas de traces blanches comme les autres crèmes solaires. Et ça s'applique assez facilement, be careful. Et ça s'applique assez facilement sur Malia, donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai acheté. Et il y a un truc qui me fascine, c'est que à chaque fois que tu vas à la pharmacie pour acheter un truc pour le bébé, viens, de toute façon je vais devoir mettre ton patch, que tu vas pour acheter un truc pour le bébé et tu sors de là avec des courses de 70 € pour l'enfant. Ça me fascine, je me demande comment ça se fait. Je n'entre jamais pour acheter un truc de Malia, je sors avec quelque chose à moins de 20 €. Après vous allez me dire, et c'est pas comme si t'as plein de choses, hein. T'as 2, 3, 4, 5 trucs, ça te fait 70 €, c'est fascinant. Et vous allez me dire que oui, c'est normal, les trucs de bébé coûtent cher. Bah oui, ça coûte cher. C'est pour ça en fait. Là, je vais mettre le patch sur l'œil de Malia. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà montré, mais dans un précédent weekly vlog, je vous ai dit que Malia, elle avait un strabisme à l'œil droit. Donc du coup, il fallait mettre des patchs à l'œil gauche tous les jours pendant 1 heure chaque jour, pendant un certain temps, pour voir s'il n'y avait pas eu de l'évolution. Parce qu'en fait, en gros, pour tous ceux qui savent pas c'est quoi un strabisme,
c'est quand ton œil bouge, il va tout seul en fait, tandis que l'autre reste là. Pendant que lui il regarde là, lui il va là-bas. Bref, en gros, son œil gauche travaille plus que l'œil droit, donc il faut régulariser. Bref, donc on met un patch pendant une heure. Je vais essayer de le mettre. Elle aime pas trop ça. C'est son troisième jour, donc bear with me. Donc là c'est droit, là c'est gauche. Donc c'est le gauche qu'il faut mettre. Vous êtes prêts à entendre Malia pleurer? Tous ceux qui sont dans mes commentaires en train de dire « Oh Malia, elle est trop mignonne, j'ai l'impression que c'est un bébé qui pleure jamais. » Watch and see. Ok Malia, be careful pumpkin. Come on now. See what you did? Ok, so now mommy's gonna put the patch on your eyes, ok? On this eye. Alright pumpkin, it's gonna help you see with this one because this one is stronger than this one. Ok mama? Ok, mommy's putting it now. It doesn't hurt, Malia. It doesn't hurt. It doesn't hurt, pumpkin. Et quand je mets ça, tous les jours qu'on rentre de chez la nounou, je lance le timer pour une heure. Et ça sonne dans une heure. Et comme ça, je sais que c'est ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que mon mari veut qu'on aille à Carrefour faire des petites courses. Parce qu'en fait, on est parti... Dans le précédent week-end, on est parti faire les courses deux fois. Deux fois, on a oublié de prendre le yaourt de Malia. Bravo. Et du coup, il faut qu'on aille le prendre. Et de l'eau et du lait. Est-ce que j'ai encore du café? Je sais pas. J'ai envie de manger des côtes de porc. Il faut que j'achète des côtes de porc. Et ouais. Je sais pas si je vais aller avec lui. Je pense que je vais rester ici. Il fait trop chaud. J'ai pas envie de sortir avec Malia flemme. Je pense qu'on va rester ici. Je vais la déshabiller. D'ailleurs, je vais faire ma demande. Elle va rester en... débardeur parce qu'il fait super chaud et on va aller voir Tata Sarah aussi à côté. Elle va aller voir Sarah parce qu'elle a pas vu depuis un petit moment. Comme elle va chez la nounou, elle la voit plus trop. Oui, et elle va jouer avec Nali. Nali, c'est la fille de Sarah. Donc j'enlève tous ces petits trucs et on y va. Et je vous ai dit tout à l'heure que oui, Malia va pleurer, etc. Les enfants, ils veulent toujours nous donner tort devant les gens. Genre en mode quand t'appelles, oh bé, viens voir ce qu'elle fait et tout, nana. Ou quand tu dis, oh, elle, je sais pas, elle se lève, elle rampe ou elle marche. Tu dis, vas-y, montre alors. Quand tu appelles la personne pour que l'enfant, pour qu'elle voit comment l'enfant fait quelque chose, l'enfant ne fait plus. Comme là, je vous ai dit qu'elle allait pleurer. Comme par hasard, parce qu'on est devant la caméra, elle pleure pas. En temps normal, quand c'est avec moi, elle me combat chaque jour. Bref, je vais faire ce que je vous ai dit et voilà. De toute façon, quand Malia rentre, vous savez, je ne suis plus trop avec vous. Hein. Je m'occupe de ma fille, je reste plutôt avec elle. Je voulais vous montrer la robe de Malia. Elle est trop mignonne. You say hi, baby. Elle est en train de prendre son petit déj. Je vais vous mettre des petites photos que j'ai fait d'elle avec cette tenue. Elle est juste trop mignonne. Je l'ai achetée sur Shein pour tous ceux qui vont se poser la question. Et j'ai pris taille 80 pour ma fille actuellement. Et j'ai dû réduire les manches parce que ça tombait sur elle. Bref, je voulais juste vous montrer, elle est trop mignonne. J'aime trop, ça lui va trop bien. Aujourd'hui, il fait 33 degrés. Ouh, aujourd'hui, on est mercredi. Ce matin, vous avez vu, j'ai préparé Malia, elle prenait son petit déj. Elle est trop bien habillée, elle est juste trop mignonne. J'aime trop ce look sur elle. Et ah oui, j'ai créé le compte de ma fille. Enfin, j'avais déjà créé son compte il y a un petit moment. Son compte Instagram, on l'avait mis en privé. En fait, on l'avait créé juste pour que bah, quelqu'un d'autre prenne pas le nom Malia Mango, tu vois. Et on voulait juste le garder au cas où si on voudrait publier ses photos. Et donc, on a décidé que c'est le moment, avec mon mari, de poster des photos de notre fille sur son propre compte. Donc, je suis contente. Et du coup, j'ai ouvert son compte. Enfin, je l'ai rendu public, en gros. Voilà, désolé du bruit. J'ai rendu public son compte aujourd'hui. Il s'affiche juste ici. Le nom, c'est Malia Mangua. Aussi simple que ça. Le lien sera dans la barre de description aussi, si vous voulez. Et ouais, donc allez suivre ma fille. Parce qu'il y aura... Tous ceux qui me suivent déjà sur mon Instagram savent que je poste régulièrement ma fille. Surtout ses outfits du matin. Et en plus, là, c'est l'été. J'ai pas mal de petites choses qui arrivent. Donc, allez la suivre sur Instagram parce que maintenant, c'est là-bas que je posterai. Et etc, etc. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, je suis partie à la salle de sport. J'étais KO. J'ai fait un petit reel. S'il est juste là, j'aime trop. I'm beautiful. I am loved. I am safe. I am free. I don't need to be like them. I just need to be like me. Et ouais, je suis KO. Là, il est déjà quoi, 11h. J'ai même pas l'heure. J'ai pas mon téléphone. Il est en train de charger. Anyway, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai quoi à faire? J'ai un média pour Team Day. Je vous avais dit que j'avais fait un... Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, ok. Je vous avais dit que j'avais fait... comment ça s'appelle? J'avais fait un...
un prank, que j'avais fait un prank à mon mari. Je vous avais dit que j'avais fait un prank à mon mari sur notre chaîne YouTube à deux, bien évidemment, Team DL. Et donc, c'est ce prank-là que je dois éditer. Et c'est ce que je vais éditer aujourd'hui. Et j'ai pas d'emploi à appeler parce qu'on comprend pas un truc sur la fiche de paye pour notre nounou. Tous ceux qui sont parents et qui ont une nounou, ou je sais pas pourquoi est-ce qu'on utilise autre page d'emploi. Mais si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est un truc de l'URSSAF pour pouvoir payer les nounous. Enfin bref. Je sais pas trop, je comprends pas trop. Il y a quelque chose qu'on comprend pas sur la fiche de paye, du coup, faut que j'appelle page emploi aujourd'hui. Là, j'ai reçu un colis de chez Nocino. Je sais pas si vous connaissez Nocino. Et j'ai commandé plein de trucs. J'ai commandé pas mal de choses et donc je l'ai reçu, je suis contente. Regardez comment est-ce que c'est bien emballé, tout est bien mis. J'aime trop quand. J'aime trop ça. J'aime trop. Je vais faire la petite vaisselle parce que j'ai toujours pas fait la petite vaisselle depuis ce matin. Et ensuite, je pense que je vais d'abord essayer d'éditer le prank, la vidéo prank. Et ensuite, je vais cuisiner parce que si je mange maintenant, tout ce que j'ai à faire, je le ferai plus. Vous connaissez. Je suis trop contente, je viens tout juste de finir d'éditer le prank comme je vous ai dit pour notre chaîne YouTube en couple, mon mari et moi. Notre chaîne YouTube s'affiche ici où le prank il est déjà sorti, il s'affiche juste ici. Je suis trop contente, là j'ai envie grave de faire pipi parce que... Là j'ai grave envie de faire pipi parce que depuis tout à l'heure je me retiens et je fais que boire de l'eau. J'ai pas encore mangé donc... Je marche bizarrement parce que j'ai des courbatures. Donc je marche comme ça depuis deux jours, je suis comme ça. J'en peux plus de moi. Bon, j'ai faim. Il est 15h, je crois. C'est quelle heure? Ouais, il est bien 15h. Il est 15h. Ça me tue quand, genre, Amazon, il t'envoie des recommandations. Recommandations, nous avons pensé que vous aurez besoin d'un nouveau thermomètre. Lol, ouais, tu veux que je dépense? Oui, bien sûr. Donc je disais qu'il est 15h, je suis contente, j'ai édité mon truc. Là du coup je vais aller faire à manger et je vais faire à manger. J'ai changé en 2-2, j'ai mis un biker short et un t-shirt. Il fait trop chaud, il fait 32 degrés aujourd'hui, laissez tomber. Je vais chercher ma Lilou et après on rentre. Je me suis dépêchée de manger mais il fallait que je mange avant d'aller la chercher. Sinon c'était pas possible. Je vais la récupérer et on rentre. Il est avec moi. Ici, Kisa. Ma baby. No. No. Dad. On est rentrés, les go, les girls, les gars. On est rentrés et il fait juste trop chaud. Il fait 30 degrés, je vais me déshabiller. J'ai trop chaud, je vais déshabiller Malia. Et on va rester posé. Et là, c'est un carton de colis Shein que j'ai reçu. J'avais commandé des trucs pour Malia, pour la piscine et tout. Vu que c'est l'été, on va aller à la piscine. Et surtout, j'ai commandé sa robe d'anniversaire, en fait, sur Shein. Et elle est trop grande, je suis dégoûtée. Mais il fait trop chaud. Je vous laisse, je vais enlever la perruque et tout. J'ai trop chaud. Vous savez quoi, en fait? Pourquoi est-ce que je fais des manières devant vous? Allez, hop. Ça, c'est le meilleur sentiment au monde. Si vous savez pas, vous savez pas. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes, on est quand Sarah? Jeudi. Nous sommes jeudi et je suis au restaurant avec Sarah. Aujourd'hui c'est mon jour off parce que je trouve que c'est important de prendre des jours off. Coucou, ça c'est Nalé qui parle, c'est la fille de Sarah. Je trouve que c'est important de prendre des jours off quand les enfants sont pas là. Parce que tu connais ton jour off le week-end, c'est pas vraiment off parce que t'es avec l'enfant, t'es fatigué. Tandis que là, en semaine, je me suis dit, je me prends un jour off. Bon, en vrai de vrai, c'est parce que j'avais déjà travaillé les samedis, dimanche aussi. Donc je me suis dit, je vais me reposer jeudi. Bref. Il est midi je crois, 13h, il est 13h et on est avec Sarah, j'ai rien foutu ce matin, je me suis même pas occupée de Malia, c'est Armel qui s'est levée, il s'est occupé d'elle, l'a préparée, l'a déposée chez la nounou, j'étais trop contente et moi j'ai rien fait, je suis restée au lit, j'ai dormi, bon après j'ai travaillé sur mon téléphone, je connais, mais voilà, donc là on est au restaurant japonais, on va manger et je vais continuer ma journée à chill, à ne rien faire, le but aujourd'hui c'est de ne rien faire, mais bon, ne rien faire ça va vite s'arrêter à 17h quand je devrais aller chercher Malia quoi, c'est le problème. Hein, Sarah? C'est ça. Ça s'arrête à un moment donné. Exactement. Avant c'était bien. Quand tu disais tu foutais rien toute la journée. C'est maintenant, ça, maintenant c'est mort. Tu peux pas. Maintenant tu fous rien, mais tu te réveilles à 7h, tu la prépares, tu t'occupes d'elle, tu restes avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endort à 11h.
Et après, tu fourries, hein, mais ça marche pas. C'est pas un jour off. Tiens, on n'a pas de jour off. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On veut plus. Par contre, ils mettent 3 ans là avec notre commande en fait. On a faim, sérieusement, on a faim de ouf. You wanna say hello to the camera? Avec ton visage qui est tout huileux là, c'est parce que j'ai mis de la crème solaire. Donc du coup, bah, c'est en train de sécher. Voilà le petit look de Malia aujourd'hui. Yeah, you wanna show them? Turn around, look at me, mama. Look at me, pumpkin. Where you going? No, come over here. Yo tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le dernier jour du weekly vlog, mais je vais peut-être revenir lundi parce que j'ai oublié de parler de ce dont je devais parler dans cette vidéo. Anyway, j'espère que vous allez bien, vous avez vu, je partais à la salle de sport, j'ai préparé ma lasse ce matin, là je suis rentrée, il fait un peu sombre dans la maison parce que j'ai baissé tous les volets, il fait trop chaud et notre clim ne fonctionne plus, donc il fait chaud. Anyway, aujourd'hui là je suis en train de faire à manger, je vais faire du saumon, de la sauce tomate et du riz. Ouais, je sais, généralement les gens mangent ça avec des pâtes de crème, pâtes de crème ou du riz et de la crème et de la sauce crème. Non, du riz et de la sauce blanche, je sais. Mais moi, une fois, il restait que de la sauce tomate à la maison, du riz et il y avait du saumon qu'on avait fait la veille. Donc on l'a mélangé avec Armel et on a découvert que c'était trop bon. Si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à tester. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai acheté 2 saumons hier. Du coup je vais couper un pour faire aujourd'hui, l'assaisonner, laisser un peu reposer. Je vais le mettre au four plus tard quand on va vouloir manger ce soir. Et l'autre, je vais le découper, l'assaisonner aussi, le mettre au frigo quelques jours pour que ça rentre bien, l'assaisonnement prend bien forme et tout dedans. Et après je le mettrai au congèle pour une prochaine utilisation dans quelques semaines ou quand on aura envie de manger encore du saumon. Ah oui, je voulais parler de ça. Déjà, regardez mon outfit, trop cute, right? Je vais vous montrer le tout plus tard. C'est une robe fine que j'ai fait il y a super longtemps quand je suis au Cameroun, il y a genre 4-5 ans. Et je suis trop contente qu'elle m'aille encore aujourd'hui. Ah oui, je voulais dire que dans mon précédent weekly vlog, même j'ai dit, oh, je voulais arrêter les weekly vlogs, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais que c'était trop monotone et tout. J'étais agréablement surprise. Je vais vous dire un grand merci de tous les retours que j'ai eu. Non, arrête pas, c'est pas monotone, c'est comme ça la vie. Parfois, vous faites parfois ça devient une routine, mais t'arrives toujours à nous faire plaisir, à trouver d'autres façons de nous divertir et tout. Enfin bref, j'ai eu tellement de retours qui m'encourageaient à continuer. J'étais là, oh! Et j'aime bien parce que entre temps aussi je vous ai demandé de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu, donc j'ai eu pas mal de réponses, donc j'ai tout noté et je vais le faire parce que moi je suis toujours dans le souci de m'améliorer, d'être toujours mieux que ce que je n'étais hier. Et c'est pareil dans mon travail avec vous, donc dans ma création de contenu, et ben je vais faire la même chose, tu vois. Donc franchement je suis contente de tous vos retours, merci beaucoup, merci à tous ceux qui m'ont dit que non, vous aimez bien mes contenus et que vous voulez que je continue, merci à tous ceux qui ont donné des conseils sur comment est-ce que ça pouvait bien se passer, comment est-ce que je pouvais m'améliorer, etc. Donc merci beaucoup. Là je vais aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais faire à manger. Ensuite j'ai plein de petites choses à faire un peu partout. C'est vendredi, demain samedi, dimanche. Et ouais. Anyway, let's go, on commence à cuisiner. Juste une petite précision parce que je sais que vous allez poser des questions par rapport à l'assaisonnement que je fais pour le saumon. Rien de ouf, du cube, du poivre, du sel, c'est tout. Et du persil si j'en ai. C'est tout. Moi après franchement je suis pas très... Il y a plein de gens qui me demandent de faire des vidéos culinaires, genre en mode de montrer comment est-ce que je cuisine, donner les recettes. C'est pas mon délire les gars, c'est pas mon délire. Je cuisine une fois dans le mois, moi je suis pas une grande cuisinière. En fait je cuisine ce que je sais cuisiner, mais c'est pas mon délire de donner des recettes, faire une vidéo par rapport à ça. Tous ceux qui me donnent ce genre d'idées de vidéos, c'est bien hein. Mais c'est pas moi, moi je suis vraiment très nulle dans tout ça. Et déjà que je cuisine vraiment par nécessité de se nourrir. Donc j'ai d'abord la flemme et c'est d'abord quelque chose qui me dit rien. Mais en plus vous me dites que je vais devoir masser. Ah flemme. C'est pas mon délire. On peut pas tout faire. On peut pas être bien partout, tu vois. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est ce que je vais assaisonner et rien de plus. We'll be right back.
J'ai fini de faire le saumon fin. Anyway, donc là je me suis assise pour un chit-chat. Comme vous savez, de toute façon, c'est déjà notre moment à la fin des weekly vlogs. On va chit-chatter. Donc là on va parler de comment est-ce que j'ai fait pour perdre du poids. Comme vous avez pu voir, j'avais pris du poids au niveau du ventre il y a quelques temps. Et j'ai réussi à perdre du ventre. Bon, après j'ai toujours du ventre hein, mais de toute façon j'ai compris un truc dans ma tête. C'est que moi j'étais en mode, ah il faut que je retrouve mon corps d'avant, il faut que je retrouve mon corps d'avant grossesse. J'étais là en mode, il faut que je retrouve mon corps d'avant grossesse, voire même moins. Après j'ai réalisé, mais pourquoi tu veux retrouver ton corps d'avant grossesse or que t'as un enfant? L'enfant il va pas disparaître. Pourquoi est-ce que tu veux que tout le poids il s'en aille? Ça n'a pas de sens. Après là je suis pas en train de dire que oh il faut pas perdre du poids quand on vient d'accoucher, il faut rester comme ça et accepter son nouveau corps. Non, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il faut pas non plus être très dur envers soi-même. Et moi je le suis, vous le savez déjà. Donc faut que j'arrête, et j'ai arrêté. Mais j'ai remarqué qu'au bout de 10 mois, donc là maintenant, 10 mois après avoir accouché, à peu près le même temps que ça a pris pour pouvoir que l'enfant soit bien formé et tout et tout et tout, et que j'ai pris du poids, et bah ça a mis le même nombre de temps, presque, à un mois plus, pour que je perde ce poids-là. Bon, je vais pas dire naturellement, mais pas avec trop d'efforts, tu vois, sans non plus changer ma façon de manger drastiquement, etc., etc. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait pour pouvoir perdre ces quelques kilos en plus. C'était vraiment au niveau du ventre. Pendant que je vais parler, vous allez avoir les vidéos qui vont s'afficher juste ici. Faites pas attention au background, c'est le bordel ici derrière, j'ai trop de choses à ranger. Mais bref, donc, comme vous avez pu voir, j'avais pas mal de bide. Après, là, vous le voyez, mais je sais pas comment vous dire. Il est, enfin, pour vous, vous allez dire, oh, t'as pas perdu de fou, mais moi, je le vois mieux quand, genre, je sais pas comment expliquer. Là, il est coupé, genre en mode il est coupé en haut, il est coupé en bas. Tandis que quand t'as ton tanga, t'as ton soutif, tu dis ah ouais, j'ai quand même perdu pas mal de bide. Mais bon, je pouvais pas vous montrer moi en tanga. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est vous montrer en maillot de bain avant et après. Mettre un maillot de bain avant et après. Prochainement, quand je ferai un update d'ici quelques mois, je vous montrerai un update en maillot de bain et après. Mais anyway. Donc voilà, donc j'avais pris du bide et ça m'allait pas du tout. La première chose que j'ai faite, et c'était inconsciemment, et je sais que c'est là que beaucoup ont remarqué que Dalia t'as perdu du poids, comment est-ce que t'as fait, c'est que j'étais pas bien, j'étais vraiment dans une phase pas bien, je vais pas vous mentir, j'étais limite en dépression et ça allait pas du tout. Du coup je mangeais pas, je m'alimentais vraiment pas du tout. C'est pour ça que parfois quand vous voyez des gens qui perdent du poids, vous êtes là, vous vous dites que ouais et tout, j'aimerais trop être comme elle, faites attention, be careful of what you wish for, parce que vous savez pas forcément dans quelle situation la personne est en train de traverser. Je l'ai pas perdu en mode, oh j'ai fait un régime, oh j'ai fait du sport, c'est comme ça que j'ai perdu mon poids. Non, j'ai perdu du poids parce que j'étais pas bien, je m'alimentais pas du tout, je pouvais faire des 48 heures sans manger, mais je vous dis que j'avais la tête qui tournait tellement j'étais pas bien. C'est pas que je mangeais pas genre en mode, oh je vais me priver, c'était vraiment en mode, j'étais pas bien, j'avais une situation difficile, du coup j'avais pas faim, voilà. Je pouvais manger du pain, je pouvais manger une brioche, et c'était tout dans la journée, tu vois. Et boire, je buvais beaucoup d'eau par contre, parce que voilà, il fait chaud. Mais bref, ça allait pas du tout. Anyway, après être sortie de ce petit moment où ça allait pas du tout, maintenant ça va 10 fois mieux, je pense que ça se voit. Mais bon, je pense que ça s'est pas vu quand ça allait pas non plus. Anyway, donc après être sortie de whatever we're gonna call that, peu importe comment est-ce qu'on va appeler ça, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, j'ai recommencé à faire mon régime smoothie. Pour tous ceux qui savent pas c'est quoi mon régime smoothie, il s'affiche juste ici. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez voir ce que c'est. J'ai repris mon régime smoothie, mais je le reprenais que le week-end, comme je faisais avant. Donc je le faisais samedi et dimanche, et c'est ça qui a fait que j'ai perdu la majorité de mes kilos. Mais ce qui a fait aussi que j'ai perdu la majorité de mes kilos, c'est bien évidemment, après j'ai pas perdu 20 kilos, hein, le sport aussi. Parce que voilà, l'alimentation plus le sport, ça aide énormément. Et ce que je faisais du coup en semaine, c'est pas que je mangeais n'importe comment, je mangeais du McDo tous les jours non plus, mais je me privais pas, c'est que je faisais donc un jeûne intermittent. Tout ce qui s'est passé, c'est quoi un jeûne intermittent? C'est que tu manges dans des fenêtres ouvertes. J'en avais déjà parlé, mais en gros, c'est ce que je faisais. Vous allez voir, j'ai rien fait de fou, il n'y a pas de recette miracle. Mais voilà, je vous dis juste ce qui a fonctionné pour moi, peut-être que ça a fonctionné pour vous. Donc, j'ai fait un jeûne intermittent, donc je mangeais dans des fenêtres ouvertes. Donc, je mangeais de midi à 20h. Et sauf qu'en fait, là, j'ai fait un jeûne intermittent limite un peu plus drastique, c'est que je mangeais de 16h à 20h. Donc voilà, j'avais limite un seul repas dans la journée. Je suis pas en train de dire que faire ce que j'ai fait, c'est bien pour votre corps, etc., etc. Pas du tout. Je vous dis juste ce qui a fonctionné pour moi, encore une fois. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Je n'incite personne. Je vous dis ce qui a fonctionné pour moi. Bref, j'ai fait donc le jeûne intermittent, limite en mangeant qu'un seul repas par jour, pendant peut-être 2 semaines. Et après, j'ai repris mon jeûne intermittent normal. Donc, je mangeais à partir de 13h et j'arrêtais de manger à 20h. Par contre, le jeûne intermittent, quand je le suis correctement, il est bien. Moi, j'ai une pote à moi, elle le fait depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Elle est méconnaissable.
Elle est méconnaissable, elle a perdu 28 kilos en jeûne intermittent, juste le jeûne intermittent de manger, de pas manger de petit déjeuner, et elle mange vraiment ce qu'elle veut, tu vois. Après voilà, moi personnellement je me prive pas, vous pouvez le voir dans mes weekly vlogs, je mange du poulet, je mange tout, je fais pas forcément de régime, je mange pas que des légumes et tout, sauf le week-end bien évidemment où je fais mon régime smoothie, ça m'aide énormément aussi, tu vois, ça accélère un peu plus le process. Mais après je suis pas vraiment dans un but, oh, de perdre 20 kilos, moi c'est bon, là mon ventre comme il est, mon petit bidon comme vous le voyez tous les jours quand je porte un short, près du corps et tout, en crop top, ce petit bidou, il me va très bien. J'ai une fille, elle a 10 mois, elle est magnifique. C'est mon rayon de soleil. Mon corps, je l'accepte comme il est. Si je perds plus, tant mieux. Si je prends un peu plus, tant mieux. Mais voilà, en fait, moi, mon but actuellement, c'est juste vraiment de me stabiliser, de réguler mon poids. C'est vraiment juste ça. Je veux pas non plus faire je sais pas combien. Mais aussi, en parlant de ça, en parlant de poids, je ne sais pas du tout combien je pèse. Vous allez peut-être vous dire que dans cette vidéo, je vais vous dire « Ah, j'ai perdu 5 kilos, 4 kilos. » Non, pas du tout, parce que je ne sais pas. Depuis la dernière fois que je m'étais pesée dans la vidéo de smoothie, je ne me suis plus jamais repesée, tout simplement parce que je ne fais pas confiance à la balance. Je ne fais plus confiance à la balance. Je m'en sers, hein. Je peux m'en servir, mais j'évite en fait. J'ai décroché de la balance, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas bon. Tu te concentres sur un chiffre, tandis que tu devais te concentrer sur ce que tu vois sur le miroir et sur les efforts que tu fais. Quand je regarde mon corps d'avant et que je regarde comment est-ce que je suis maintenant, niveau ventre surtout, la balance, elle va me dire que... Je crois que j'étais à combien? J'étais déjà à 72. La balance, peut-être qu'elle va me dire que je suis à 74 ou à 72. Tandis que je vois grave une différence. Mais sur la balance, peut-être que pas, parce que vu que je fais du sport, je prends en muscle, etc., etc., tes os, enfin bref, tout ça, ça dépend. Donc voilà pourquoi je fais plus confiance à la balance personnellement. Non, merci. J'en ai deux, hein, mais non, merci. Bref, donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et oui, maintenant, je vais vous parler du sport que j'ai fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me demandent c'est quoi ta routine sport, etc, etc. Donc déjà niveau régime, je vous ai dit le régime smoothie, parlant du régime smoothie, il y a plein de gens qui me demandent tout le temps est-ce qu'il y a un code promo par rapport à ça. Oui, j'ai réussi à vous ravoir un autre code promo, parce qu'il y en a qui demandaient, ils avaient loupé le premier code promo. Attention, il va être comme la dernière fois, ce sera valide que pour les 20 premiers clients. Le code promo s'affiche juste ici et il sera aussi dans la barre de description. Donc actuellement vous avez moins 10€ sur le régime avec mon code promo, donc dépêchez-vous, parce que comme la dernière fois, c'est pas tout le monde qui pourra en avoir. Donc vous êtes prévenus. Je vous ai dit le jeûne intermittent, que je mangeais normalement. Et maintenant, je vais vous parler de ma routine sport. La routine sport que j'ai fait, je vais vous mettre les vidéos ici pendant que je le fais. Ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant un mois entier, je n'ai fait que du cardio quand j'ai repris le sport. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire du sport. Donc, j'ai repris le sport. Et j'ai fait que du cardio au début. Je faisais que de la corde à sauter, comme vous pouvez voir sur ces vidéos aussi. La corde à sauter pendant très longtemps. Donc je faisais de la corde à sauter pendant tout un mois entier. C'était que du cardio. Je travaillais aussi un peu le ventre. Tout ça, vous allez me dire, oh, c'est rien, etc. C'est pas trop. Mais faites-le, vous allez voir, c'est trop. Ceux qui arrivent à faire de la corde à sauter tout simplement comme ça pendant genre 2-3 minutes, c'est très bien. Moi, personnellement, je trouve ça ennuyeux et je trouve ça long. Donc je décroche très rapidement. Voilà pourquoi c'était important pour moi de faire ça pendant 30 secondes et de m'arrêter pendant 30 secondes. Je sais pas si vous savez c'est quoi les bienfaits de la corde à sauter, mais la corde à sauter, ça vous aide énormément parce que ça travaille tout le corps. Quand je vous dis tout le corps, vous perdez de tout. Quand vous faites de la corde à sauter, vous perdez des bras, des seins, du bide, de partout le ventre. Ça ne c'est pas juste target à un seul endroit. C'est ça que j'aime beaucoup. Et je voulais pas faire du cardio, genre courir, le vélo et tout. Flemme, ça c'est les choses que je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc la corde à sauter, c'était une très bonne alternative pour moi. Si pour vous, vous aussi, vous pouvez faire ça, tant mieux. Achetez-vous une corde à sauter. J'en ai acheté à Action à 3€. Archi pas cher. Bref. Donc la corde à sauter. Et après maintenant j'ai fait les exercices que vous voyez ici. J'ai travaillé mon ventre. Après j'ai travaillé un peu les jambes aussi comme vous pouvez voir. En gros voilà exactement ce que j'ai vraiment pu faire comme sport. C'est ça à peu près ma routine sport. J'ai pas une routine spécifique. C'est vraiment au feeling. Ces temps-ci je travaille vraiment beaucoup plus le cardio. Donc corde à sauter et le ventre parce que c'est vraiment l'endroit que je vais vraiment perdre. Par moment je vais faire un peu des jambes, je vais faire un peu des bras. Mais c'est pas vraiment de ouf. Après, je sais que plein de gens me demandent, c'est quoi ta routine sport, qu'est-ce que tu travailles et tout. Honnêtement, si vous voulez travailler un endroit spécifique ou faire quoi que ce soit, ou avoir une routine que vous pouvez suivre exactement, tapez sur Google et il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le sport qui peuvent vous dire que faites ça, etc., etc. Moi, je ne suis pas juste spécialisée, mais voilà, moi, je fais du sport parce que j'aime faire du sport, j'aime me lever le matin, faire mon sport et j'aime voir les résultats que je regarde dans le miroir. Donc voilà, anyway, si vous avez d'autres questions par rapport au sport, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Par rapport au régime, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre dans le prochain weekly vlog. Regarde en mode, tu manges sans moi ou je rêve. Hey, princess!
amis, j'espère que vous avez kiffé le weekly vlog avec moi et que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup d'avoir regardé le weekly vlog. Merci beaucoup de toujours m'encourager comme vous le faites. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est passé... Oh mon Dieu, j'allais fermer le weekly vlog sans vous parler des 25K. Oh mon Dieu, on a réussi. We made it to 25K. On a réussi à être 25 000 followers. Je veux vous dire un grand merci. Yay! Je suis trop contente. Franchement, un grand merci à vous. 25 000 personnes qui me suivent, vous êtes plus de 40 000 personnes à regarder mes weekly vlogs tous les jours, je suis juste super reconnaissante, it means the world to me, so thank you so much for always tuning in, tap in, merci beaucoup de toujours être là, de toujours cliquer sur mes vidéos quand ça sort, tous ceux qui like sans qu'on pose quoi que ce soit comme question, tous ceux qui commentent, qui partagent, merci beaucoup, merci à tous, même si c'est la première fois que tu viens sur cette vidéo, merci beaucoup, parce que bah, c'est important pour moi, et voilà, ça me fait super plaisir, on grandit de plus en plus, même si ça prend du temps à monter les abonnés, mais je sais que c'est des abonnés qui sont solides en fait, donc ils vont perdurer dans le temps. Donc voilà, merci beaucoup, et ouais, j'étais juste trop contente quand j'ai vu que je suis à 25 000 abonnés, bon là c'est un peu plus, mais quand j'ai atteint les 25 000, j'étais là, je suis trop contente, ah, ça veut dire mon travail il plaît, c'est de la reconnaissance, enfin bref, c'est plein de choses, donc merci beaucoup, j'espère qu'on sera encore plus nombreux, continuez à vous abonner, n'abandonnez pas, continuez et moi je vous ramène encore plus de plus en plus de contenu et il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver donc j'ai hâte que vous les voyez, je travaille sur plein de choses donc voilà, merci pour tout, merci, donc je vous disais donc c'est la fin du weekly vlog, merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo, n'hésitez pas à cliquer dans la barre de description, vous allez avoir tous les liens que vous avez besoin et vous allez aussi avoir mes liens Amazon pour les gens qui se posent des questions, où est-ce que j'ai acheté quoi que ce soit dans ma maison, dans mes liens Amazon. Et aussi, likez, partagez, commentez et abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour une autre fois, pour une autre vidéo. Bye bye!